Salut tout le monde, j'ai enfin décidé de vous présenter mon rangement maquillage. C'est pas pour me vanter, loin de là. C'est vraiment parce que j'ai eu beaucoup de demandes pour ça. Puis aussi parce que j'avais le goût de le faire. Et peut-être vous faire découvrir des produits que vous n'aviez pas dans votre collection. Et pour ceux qui se posent la question à savoir ce que je porte sur les lèvres, j'ai un crayon, ça s'appelle... Big Lips Studio Color Blue de Maybelline. Et j'ai par-dessus un gloss, un lip gloss de Mariposa. Je vais vous mettre comme ça. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai fait un petit swatch. Alors, c'est sensiblement la même teinte, sauf qu'il y en a un qui est plus glossy que l'autre. Alors voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Si vous avez aimé cette vidéo-là, partagez-la à vos amis. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye bye! Alors voilà, je vous montre une vue d'ensemble du bureau. Ce que vous voyez quand je filme, en principe, c'est ce coin-là. C'est jamais placé pareil, de toute façon, je vous le dis, là, c'est jamais la même chose. C'est la même chose qui est dedans, à part que quand je jette des nouveaux produits, mais en principe, c'est comme ça. Fait que c'est sûr que mon mur, ici, j'aimerais ça avoir des tablettes en caisse de bois pour mettre des cadres. Là, mes photos sont sur le mur, je vais vous montrer. Alors, il y a une photo de moi et ma fille, photo de mon mariage. Et une photo de mon oncle qui est décédé. Sur le dessus, on trouve tout le temps une boîte de Kleenex, de la gomme, un livre YouTube, un autre livre, le même que j'ai donné à Just the Mom, sauf que c'est minimal. Dans le panier, on trouve mon mini agenda 2017. Un crayon, des post-it, d'autres petits cossins d'habitude que je mets dedans. Ici, attendez un petit peu, je vais vous oublier. On trouve ma collection de Color Whisper. Attendez un petit peu, attention. Comme ça. Que j'ai mis ici. À côté, on a des crayons, des ciseaux. On a mon eau micellaire. Deux pinces à cils. J'ai passé mon bras. Ici, j'ai... Attends un petit peu. Je vais dézoomer peut-être. J'ai des boîtes à gloss de NYX. J'ai deux rouges à lèvres comme ça. Attends un petit peu. Deux. Rouge à lèvres comme ça de NYX qui se fait plus. J'ai des crayons de Revlon et de mes préférés d'Annabelle. Ici j'ai rien. Ici c'est mes pinceaux. J'en ai de style détente, Real Technique, Co-O, MAC, puis MAC. Puis aussi, on retrouve à l'intérieur un mascara. Comme ça. Un petit peu plus vite comme ça. On a un autre rouge à lèvres de Maybelline. On a un crayon de essence aussi à l'intérieur. Puis je pense que c'est tout. Ah non, il y a un crayon comme ça de Revlon dans la teinte brun. Un crayon comme ça. Et mon fameux crayon noir de L'Oréal avec l'embout en mousse. Comme ça. Il y a une boîte que j'avais apportée quand j'ai fait le baptême de ma fille pour que les gens écrivent des mots sur des petites cartes.
avec des crayons, des autocollants comme ça, que j'avais mis dans une boîte comme ça. Il y a une photo que mon oncle m'a donnée, une boîte avec plein de produits, un portefeuille Hello Kitty que ma tante m'a donné. J'ai un parfum de Céline Dion. Et un vernis gel du Dollarama. Je vais vous montrer comme ça. Pour que vous puissiez le voir, là, il est comme nude. Là, vous venez de voir, là, il y a un bordel ici. Mais bon, c'est la vie. Et ici, ben, il y a une boîte de caméra, il y a mes trépieds, il y a plein de livres qui sont là, il y a un autre zoom, il y a des étuis à crayon, il y a ma fameuse pochette du Dollarama, des post-it, des odorisants. C'est ce qu'il y a sur la tablette. Là, je m'assois. Et là, je viens de manger. Fait que, c'est ça. Dans le tiroir. Si je mets comme ça, je pense, comme ça. Il y a des pochettes comme ça que j'ai trouvées au Dollarama que j'aime vraiment beaucoup. J'ai mis des cotons. Il y en a un, c'est des pinceaux que je me sers. J'ai des Q-tips, un aiguisoir, un coupe de cils, un éponge et une taqueuse. Ici, c'est toutes des élastiques à cheveux. Ici, c'est ma crème Aveeno, ma préférée. Un Purel, des Sharpies, une brosse. C'était pour brosser mes extensions de cils, mais maintenant je m'en sers pour mes sourcils. Un nettoyant à lunettes. Un bandeau. Dans le fond, il y a toujours un linge blanc ou une serviette, peu importe. Des crevoles. Des rollets. Quand j'avais mes ongles, premièrement, mes ongles sont super pas beaux parce que j'avais pas de les ronger. Mais j'avais des extensions, pas des extensions, mais c'était mes vrais ongles, mais il y avait du gel par-dessus. Puis je les ai enlevés avec cet outil-là de Kiss que j'ai payé comme 9$. Ça va super bien. Ceux qui veulent se faire des belles manicures, là, vraiment, pour 9$, ça vaut vraiment la peine. Ici, ben, il y a toutes des cartes mémoire, des écouteurs, des GPS qu'il faut que je leur donne, des clés USB, plein de cartes mémoire, mon étui à lunettes, des photos et un aiguisoir pour les crayons et des papiers. Voilà. Puis tous les petits paniers comme ça, ils viennent du Dollarama. La drogue. C'est assez. Je pense que je vais le sortir. Ça va beaucoup mieux pour vous montrer. Alors, la vue d'ensemble, c'est comme ça. Alors, le premier tiroir, c'est vraiment tout ce qui est cacherne et fond de teint. Fait que je vais vous mettre comme ça, tiens. Alors, dans celui-là, il y a ma primer pour les ombres à paupières d'essence. J'ai une primer de Maybelline. J'ai un cacherne de Marcel. Un cacherne de CoverGirl. J'ai une base de Personnel. Et un autre cacherne de Maybelline.
Puis je voulais vous dire que ce cache-chaîne-là, j'avais aussi le fond de teint. Puis je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Si vous pouvez chercher un fond de teint qui paraît pas, puis qu'on dirait qu'on n'a pas allé vers cette collection-là. J'ai un US. J'ai une poudre illuminatrice de Lisoitier dans la collection Aurora. Et un de CoverGirl, comme ça. Ici, c'est tout ce qui est... Excusez. Tout ce qui est poudre et fond de teint. Tout ce qui est poudre, ouais. J'ai un bronzer de Maybelline. J'ai un Dream Matte Poudre comme ça de Maybelline. J'en ai une de Essence. J'ai un Fit Me. J'ai une autre poudre bronzante de Rimmel. Comme ça. Et une poudre libre de Avon. Comme ça. Et j'ai des pilules d'allergie. Ici, c'est vraiment tout ce qui est fond de teint. Alors, j'ai mon fond de teint préféré de Olay. J'ai mon portfolio de personnel. Que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, vraiment. Là, je sais pas, celle de Lisoitier, je l'ai jamais testée. J'aimerais le tester, voir la différence. Mais moi, je trouve que dans l'ensemble, il va super bien pour peu de prix. J'ai un fond de teint de Marcel, comme ceux qui est très foncé. J'ai un fond de teint vitaminé, minéral de Lisoitier, qui vient avec un. C'est dur de voir ça avec un pinceau à l'intérieur déjà. Je peux pas vous dire si je l'aime tant que ça. Parce que j'avais choisi la teinte la plus pâle, mais il m'a envoyé celui-là qui est la teinte beige. J'ai un fini Powerless. J'ai un autre fond de teint de Marcel, comme ça. Et j'en ai un comme ça de Maybelline, que j'aime bien, il va super bien, honnêtement. Il va vraiment bien, il coûte pas tellement cher. Puis je vous dirais que les deux ensemble, vraiment c'est un bon match là. Je trouve qu'il va bien. Voilà. Alors ça c'était tout ce qui était fond de teint, poudre et tout le kit. Le deuxième tiroir c'est des crayons, des blushs puis des mascaras. Fait que j'ai une collection de blushs, mais j'en ai pas beaucoup, mais honnêtement, j'aime pas tant ça. Mais j'aime ça, mais en même temps, j'aime pas tant ça. J'ai un petit peu mitigé entre les deux. J'en ai un de Maybelline. J'en ai un de Essence. Un bisou. J'en ai de Lisoitier. J'en ai de Rimmel. De Kuo. De Mariposa. Qui va super bien, cela dit, il est très très pigmenté, il faut aller doucement avec celui de Mariposa. J'en ai deux autres de Essence. Comme ça. S'il y a un produit que vous voulez voir en particulier, dites-le moi en barre d'un commentaire. Puis on va peut-être faire un tuto maquillage avec le produit que vous allez avoir choisi. Ici, c'est des eyeliners, des crayons. Alors, j'ai deux jumbo crayons de Maybelline, des couleurs Tattoo. J'ai un crayon préféré de Annabelle. Comme ça, j'en ai comme plusieurs. J'ai un eyeliner en gel de Maybelline. J'ai des crayons de NYC. De Revlon. Gauche. J'en ai de
de Maybelline, des Big Show. J'ai un eyeliner de Lise Boitier, comme ça, dans la collection Aurora. J'ai un eyeliner de L'Oréal, je sais pas il est où. Ah, comme ça. En liquide. Je me suis servi une seule fois à date parce que je suis pas encore très très habile avec ça. Ici, c'est des mascaras. Alors, j'en ai un de Lise Boitier. J'en ai un de Revlon. J'ai deux... J'ai deux... comme ça, de Revlon. Des ombres à paupières et des eyeliner en crème. J'ai deux gels à sourcils. Un de Annabelle. Et un de Maybelline, comme ça, là, que tout le monde connaît. Là, le... Et j'ai découvert ce petit crayon-là. Oups, excusez, pardon. Excusez. De Revlon, de NYC. Ouais, NYC. Vraiment, là, j'adore ce crayon-là à sourcils. Si vous le trouvez, il y a la petite bosse. Moi, je l'ai trouvé au Dollarama, mais si vous le voyez ailleurs qu'au Dollarama, prenez-le parce que vraiment, il fait vraiment une belle job. J'en ai essayé quelques-uns, puis je dirais que celui-là, c'est mon coup de cœur pour le prix qu'il a. Alors, le troisième tiroir, c'est des ombres à paupières. J'ai ma collection des soirées ici. Je pense que c'est l'objet qui vaut le plus cher sur dans toute ma collection. Fait que j'ai toutes les collections des soirées, dont un vieux qui n'existe même plus que j'avais quand j'avais 16 ans. Ici, j'ai une poudre comme ça de Lise Boitier. Et une poudre de Lise Boitier aussi, mais qui sent le chocolat. Ici, j'ai deux colères tattoo. Alors, j'en ai deux. Un blanc et un brun. J'ai un ELF, comme ça, qui va super bien. J'ai deux duos de essence 3D. J'ai des duos comme ça de ELF. J'en ai un de L'Oréal. Un de Marcel. Et un de Maybelline, comme ça, un dans les teintes de brun. Ici, c'est d'autres ombres à paupières. Peut-être je vais vous montrer celui-là. J'en ai comme ça de Maybelline. J'en ai trois de Anne-Mée. J'ai un trio comme ça de Revlon que je m'étais choisi moi-même. Excusez. Et j'ai mes trois petits de Mariposa qui vont super bien, qui ont une belle pigmentation aussi. Ils sont à l'intérieur. Ici, ben, c'est des pigments. J'en ai de Marcel. J'en ai d'Annabelle. J'en ai de... Marcel aussi. J'en ai un de Lise Boitier. Et j'ai trois, comment on appelle ça? Color infaillible, comme ça. De L'Oréal. J'en ai juste trois dates. Je les aime vraiment beaucoup. J'ai un mauve, un vert kiwi et un genre de brun. Ici, c'est mes grosses palettes. Alors, j'ai une palette d'Annabelle.
j'en ai deux de personnel. J'ai deux livres comme ça de ELF. Un dans la teinte de mauve et une dans la teinte naturelle. Ici, j'ai une de CoverGirl. J'en ai trois de Maybelline. Je vais vous mettre comme ça. Donc, j'en ai trois de Maybelline. Comme ça. S'il y en a une que vous voulez avoir un tuto maquillage avec, dites-le moi. Et j'ai les deux. J'en ai deux parce que je sais qu'elles m'ont sorti une nouvelle de L'Oréal Paris. Une grosse palette comme ça. Il y en a une sortie dans les teintes de, qui s'appelle, je pense, Smoky, quelque chose comme ça, que j'aimerais avoir. Mais je dois ramasser les sous pour l'avoir. Ici, c'est tout ce qui est rouge à lèvres et gloss. Alors, si j'en ai deux de Marcel, Les Oitiers, Maybelline. J'ai un rouge à lèvres que ma tante m'a donné, qui a deux embouts de CoverGirl. J'ai des rouges à lèvres de Maybelline, de Essence, de NYC. D'Avon, je crois. Qu'il y en a dans le fond. C'est ça. Ici, c'est tout ce qui est gloss. Alors, j'ai un rouge à lèvres gloss de Lise Boitier. J'ai Mariposa. J'ai le Big Show d'Annabelle. J'ai Maybelline, Mariposa, L'Oréal, Celine Sun aussi, Maybelline. Ici, c'est vraiment tout ce que j'ai à tester. J'ai une peinture, j'ai des échantillons, des patchs pour les yeux, une injecte démaquillante. Ici, c'est un tiroir vide. D'habitude, c'est les concours qui sont dedans. Ici, ben, c'est tout ce qui est manicure, puis c'est vernis dissolvant, une pochette. Et le dernier, c'est tout ce qui est vernis à ongles qui est dedans. Alors, je vais vous retourner. Et voilà, c'était mon rangement maquillage. Si vous avez des questions, des commentaires, s'il y a un objet que vous auriez aimé avoir plus d'informations ou plus de détails sur un article en particulier, ben laissez-les-moi en barre de commentaires. À très bientôt. Bye bye!